السلام عليكم ورحمه الله إذن دائما في اطار الاستعداد الجيد للامتحان الوطني للدورة العاديه لسنه 2023 اقترح عليكم تصحيح ديال الامتحان الوطني الدوره العاديه لسنه 2022 بعد ما شفنا لا بروميير بارتي و ليكزيرسيس نيميرو 1 ديال لو دوزيام بارتي غادي نشوفو في هذا لا فيديو هذا لا ليكزيرسيس نيميرو 2 Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée chez les moustiques ainsi que la variation génétique chez certains de ces populations, on propose les données suivantes. Et voilà donc les données numéro 1. Donc le cycle de vie des moustiques comprend un stade immature, donc un stade immature, dans lequel les êtres vivants, ils vivent dans un milieu aquatique. Et un autre stade qui est un stade adulte, durant cette, cette période, l'être vivant, il vit dans un milieu aérien. Ces insectes se développent en quatre étapes. Donc l'œuf, il va donner par la suite des larves. Donc ces larves vont se transformer en nymphes. Et ces nymphes, par le, le, le processus de métamorphose complète, elles vont donner des adultes. Donc ce sont des imagos, que ce soit des imagos mâles, ou bien des imagos femelles. Cette métamorphose complète dure de 5 à 90 jours en fonction des conditions environnementales. Et voilà donc, on va voir ou bien on va exploiter les données représentées dans les deux documents. Pour le document numéro 1, il représente les étapes du cycle de vie des moustiques et le document 2 présente la graniture chromosomique ou bien le d'une cellule germinale d'un moustique mâle et de l'autre qui est femelle avec des schémas illustratifs. Voilà le cycle de vie de, de ou bien le cycle de développement euh, d'un moustique. Comme vous voyez ici, on a des femelles qui pondent dans l'eau des œufs. Donc ces œufs vont transformer en larves. Donc ces larves vont donner par la suite des nymphes et ces nymphes par le, le, le processus de métamorphose euh, par le processus de métamorphose euh, complète, elles vont donner des imagos ou bien des, des, des êtres vivants qui sont adultes. Donc ces adultes, et ils correspondent aux émagos, que ce soit mâle ou bien femelles, ce sont euh, des êtres vivants, donc ces, ces, deux, euh, ces, ces mâles et ces femelles, se ce sont capables de se reproduire entre eux et de, de donner d'une nouvelle génération. Et bien sûr, ces êtres vivants, ils utilisent la circulation sanguine des autres, des autres êtres vivants, comme l'homme par exemple, comme source de la nourriture. Pour le document numéro 2, comme vous voyez ici, il représente le, le, les cariotypes. Pour A, il s'agit d'un cariotype d'un être vivant ou bien d'un moustique qui est mâle. Et pour B, il représente le cariotype d'un moustique qui est femelle. Et comme vous voyez ici, on a des schémas illustratifs. Comme vous voyez ici, on a six euh, chromosomes avec l'existence de trois paires. Donc, soit un seul paire qui est euh, le paire des chromosomes sexuels, euh, la même chose ici, et deux paires qui sont des chromosomes autosomes. Pour la question, à quelle phase de la division cellulaire a-t-on pu obtenir les deux photos du document 2 avec la justification? Donc, comme vous voyez ici, les, les chromosomes ils sont condensés, ou bien ils sont appariés, et forment ce qu'on appelle les tétrades. Et cette caractéristique, elle caractérise la, la myose, euh, et plus particulièrement durant la prophase 1. Et la justification, puisqu'on aura l'appareillement du chromosome homologue et formation ce qu'on appelle les tétrades. Pour la question numéro 2, donnez la formule euh, chromosomique des moustiques mâles et femelles. Donc, pour euh, répondre à cette question, on va utiliser les, les données représentées dans le document numéro 2. Donc, euh, premièrement, euh, le, le, les moustiques sont caractérisés par l'existence des paires de chromosomes, c'est-à-dire que chaque chromosome il est représenté par deux exemplaires. Cela veut dire que la formule chromosomique il est sous forme de 2n chromosomes. Et donc, 2n égale. Euh, le nombre total des chromosomes est, les, est égal à 6. Et donc euh, 2n égale à 6 égal à 2 chromosomes, euh, ou bien à 2 paires de chromosomes autosomes plus un seul paire de chromosomes sexuels. Et voilà donc la correction officielle de cette euh, deuxième question. Donc la formule chromosomique euh, du moustique mâle, il correspond à 2n égale à 6 égale à 4a plus xy, ou bien l'autre formule. La, la même chose pour la formule chromosomique du moustique femelle. 2n égale à 6 égale à 2AA, ce sont des chromosomes autosomes, plus XX, ce sont des chromosomes sexuels. On va voir maintenant la question numéro 3. Nous basons sur les données du document, réaliser le cycle chromosomique du moustique son sentier. Donc voilà la correction officielle. Comme vous voyez ici, c'est le, le, le cycle de développement d'un moustique. Qu'on voit ici, il est caractérisé par l'existence de deux phases. Donc ici, dès l'ozygote jusqu'à la formation des, des gamètes, on aura les, les êtres vivants qui sont diplophasiques, c'est-à-dire ils sont diploïdes. Et seulement les gamètes mâles et femelles qui sont caractérisés ou bien qui représentent ce qu'on appelle la phase haploïde, d'où les cellules, ils sont caractérisés par N chromosomes. Donc, le cycle de vie de développement d'un moustique, il est caractérisé par l'existence ou bien l'alternance des deux phases et on dit que c'est un cycle diplophasique. Pour les données numéro 2, donc pour connaître le mode de transmission des deux caractères héréditaires, couleur du corps et couleur des yeux chez des lignées de moustiques, on propose les croisements suivants. Donc pour le premier croisement, on croit une lignée sauvage à corps gris et aux yeux prunes. Donc voilà, c'est la, la, la lignée sauvage avec une lignée à corps noir et les yeux qui sont clairs. Et ce croisement donne une génération F1 constituée euh, de moustiques à corps gris et aux yeux prunes. Et le the premier croisement, donc on peut déduire... Que les allèles responsables des, des, des types suivants, corps gris et aux yeux bruns, ce sont des allèles dominants. Et les autres euh, allèles responsables de, 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 de la manifestation du corps noir et les yeux clairs, ce sont des allèles récessifs. Pour euh, la question 4, que déduisez-vous des résultats du premier croisement euh, Donc, euh, on va utiliser les symboles suivants grand g ou bien petit n pour l'allèle responsable du caractère couleur du corps et grand p petit c pour l'allèle responsable du caractère couleur des yeux. Donc pour la couleur des yeux prunes, on va utiliser le symbole grand p et pour la couleur des yeux clair, on va utiliser un petit c. Et de même pour l'allèle responsable de la couleur euh, de, du corps euh, gris, on va utiliser grand g. Et pour l'allèle responsable de la couleur euh, euh, noire, on va utiliser un petit n pour la correction. Donc les deux parents sont de lignées pures selon la première loi de Mandel, puisque nous avons obtenu un qui est homogène. L'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant. Et l'allèle responsable de la couleur noire est récessif. De même, l'allèle responsable de la couleur prune des yeux est dominant. Et l'allèle responsable de la couleur claire des yeux est récessif. Pour le deuxième croisement, donc, euh, on croit les, des femelles F1 avec euh, des mâles à corps noir cette fois et les yeux qui sont clairs. Donc, comme vous voyez ici, le, le mâle il est caractérisé par euh, l'existence des allèles qui sont récessifs. Et donc, durant ce euh, test, ou bien ce bacross, ce, ce, ce qu'on appelle euh, des tests cross, on obtient. La descendance IF'2, avec des proportions suivantes. Donc 35,2% de moustiques à corps gris et des yeux prunes et de même des moustiques à corps noir et des yeux clairs. Donc on voit ici, ce sont des phénotypes parentaux. Et en plus de ces deux phénotypes parentaux avec un pourcentage élevé, euh, nous avons obtenu des pourcentages euh, ou bien des, 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 des phénotypes recombinés avec des, fr des fréquences qui sont faibles. Donc eh, 14,5% de moustiques à corps gris et aux yeux clairs et 14,5% de moustiques à corps noir et aux yeux prunes. Donc pour la question numéro 5. Que déduisez-vous des résultats du deuxième croisement avec la justification Donc, parmi les, les déductions à partir du résultat du deuxième croisement, on peut dire que ces deux gènes ce sont des gènes liés parce que nous avons obtenu deux phénotypes parentaux avec un pourcentage élevé et deux phénotypes recombinés avec un pourcentage qui est faible. Et voilà donc la correction officielle. Donc, les deux gènes étudiés sont liés. Et la justification, donc la génération F'2, issue d'un croisement test, donc il s'agit d'un test cross, est composé de quatre phénotypes à proportions différentes. Les phénotypes parentaux sont plus fréquents que les phénotypes recombinés, qui ne représentent que 29% de l'ensemble total de, des fréquences de, dans cette population. donc Pour la question 6, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc pour donner l'interprétation chromosomique, donc on va premièrement citer les phénotypes et les, gé les génotypes des deux, des, deux, des deux parents, donc euh, une femelle de la génération F1 et un individu qui est doublement homozygote. Donc on voit ici, voilà, ce sont les, les deux phénotypes. Et comme vous voyez ici, nous avons représenté les génotypes et les gamètes avec la fréquence de chacune d'entre eux. Euh, euh, par la suite, on va euh, réaliser un échiquier de croisement et voilà donc, euh, on va obtenir euh, des, 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 des moustiques avec un corps qui est gris et des yeux prunes euh, un pour, avec un pourcentage de 35,2%. Euh, la même chose, on va obtenir euh, des moustiques euh, de, de même pourcentage qui sont caractérisés par un corps qui est euh, gris et euh, des yeux qui sont clairs. Et voilà les deux phénotypes recombinés, de, de, des moustiques avec un corps qui est euh, gris, et des yeux prunes, qui sont représentés par un pourcentage de 14,5%. Et de même pourcentage, le, le, les individus avec le phénotype un grand G, petit c. Et donc la descendance IF'2 est caractérisée par le, 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 les phénotypes suivants avec le pourcentage de, de chacune d'entre eux. Pour la question 7 et les autres questions de cet exercice, je vais le représenter dans une autre capsule vidéo. Merci, à bientôt.